Bonjour, voici les tirages de la mi-février. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants, puis comme vous le savez, je procéderai à un autre tirage par-dessus celui-ci afin d'approfondir les premiers thèmes. Comme je vous l'ai expliqué le mois dernier, les extensions sont maintenant disponibles pour les personnes qui désirent souscrire un abonnement payant à la chaîne. Les abonnés auront tous accès aux extensions chaque mois, quel que soit le montant de l'adhésion. Donc les vidéos d'extension des signes. Par ailleurs, vous aurez aussi accès aux horoscopes que j'établis à chaque lunaison. Enfin, pour ceux que ça intéresse d'étudier les cartes, de comprendre comment elles répondent à travers les tirages, j'ai enfin réalisé la vidéo exclusivement réservée aux membres. Je vais la mettre en ligne là en fin de semaine. C'est une vidéo où je procède à des tirages, mais cette fois en développant l'aspect technique, c'est-à-dire comment se structure un tirage, comment il crée une trame permettant de lire les cartes. Je proposerai sans doute d'autres vidéos de ce genre, car j'ai apprécié de partager des notions que je ne développe pas forcément dans les tirages. C'est vraiment comment les cartes se relient entre elles, comment elles créent un chemin propice à la réflexion, comment elles mettent en lumière certains éléments, et comment en s'entrecroisant, les éléments créent une structure et permettent par là même une meilleure compréhension. Bon, je suis plutôt emballée par cette vidéo, donc j'espère que ça a éveillé votre curiosité, et si c'est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre ». Pour l'instant, on va regarder quelles sont les énergies de ce tirage. Voici donc votre tirage de la mi-février, Amis Gémeaux. Du sein de la sagesse des rôles cachés, sont sortis le duel des dragons et la gardienne des balances. Deux cartes qui viennent vous donner des conseils dans la phase de transformation que les cartes voient pour vous arriver. Arriver parce qu'on a la reine signe, la carte de la transformation dans l'oracle, et la carte de la transformation ici en première carte de l'action nécessaire au progrès. Le duel des dragons vient souligner que dans tout processus de transformation, il y a des choix à faire. Et que la valeur de ces choix, la portée de ces choix, ne dépend que de vos intentions et de vos objectifs. Que c'est à vous de décider quel dragon vous allez nourrir. Quel chemin vous allez emprunter. C'est une carte qui objectivement vous dit que l'univers est infini et que la seule différence, c'est le choix que vous faites de nourrir un dragon plutôt que l'autre. Elle vient vous demander donc de considérer les choses avec un œil impartial. Qu'est-ce qui est le plus pertinent, intéressant, cohérent, intelligent, vous pouvez utiliser tout un tas de, j'allais dire de mots, mais c'est les notions. Vous pouvez attribuer toute valeur que vous voulez à vos choix, du moment que ça fait sens pour vous. La façon dont vous déterminez le choix, ah, c'est le plus pertinent, c'est le plus cohérent, c'est le plus, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui a de l'importance, c'est la valeur de votre choix. Est-ce qu'il a du sens pour vous? Si c'est le cas, on s'en fiche qu'il soit cohérent, pertinent, intelligent, malin, rusé. Ce qui est important, souligne le duel des dragons, c'est que fondamentalement, vous fassiez le meilleur choix pour vous, pour ce que vous avez à vivre. Et la gardienne des balances vient renforcer ce message en soulignant que tout est équilibre dans la vie. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que les deux cartes viennent parler d'équilibre. On a le symbole de l'infini ici. Parce que toute votre vie, vous aurez des choix à faire. Toute votre vie, vous devrez vous demander quel est le dragon que je vais nourrir. Et que plus eh bien, vous vous concentrerez sur le dragon qui est le vôtre, c'est-à-dire votre chemin à vous, et plus votre chemin bénéficiera de cette persistance de vos choix. La gardienne des balances souligne que tout est juste, que si vous fournissez un effort, vous aurez un résultat, que si vous tentez une aventure, vous obtiendrez quelque chose, que dans l'univers, c'est pas une question de blanc ou noir.
C'est une question d'équilibre. Ça, c'est quelque chose qui déphase souvent. C'est d'admettre que pour qu'il y ait des choses bien, ben, il y a forcément des choses mal. Parce que l'un n'existe pas sans l'autre. Prenez une chose toute simple. Le cycle de la vie, le cycle plutôt quotidien, jour, nuit. Nous n'aurions même pas de mots pour notre journée s'il n'y avait pas le phénomène de la nuit. Si à aucun moment le soleil ne se couchait, est-ce qu'on connaîtrait même le concept de se coucher nous-mêmes? Tout est équilibré dans cet univers, et la seule chose que vous avez à faire quand vous êtes face à vos choix, c'est eh bien, d'équilibrer les choses. D'équilibrer vos choix, d'équilibrer vos efforts, d'équilibrer votre réflexion, d'équilibrer vos actions avec ce qu'implique votre réflexion. C'est un tirage qui est intéressant pour plusieurs raisons. On a une reine d'épée qui devient une reine de coupe, puis après on a le chevalier d'épée et le roi d'épée. C'est-à-dire que la tête et le cœur sont d'accord, et les cartes, elles vous conseillent de quand même laisser, j'ai envie de dire, le dernier mot à la tête. Parce qu'on dit souvent que le cœur, il nous emporte, il nous entraîne. Il y a une notion un peu de... on subit les choses. La tête, elle dirige, elle comprend et elle dirige. Et c'est de ça qu'il est question ici. Il faut faire un choix intrinsèquement personnel. Je préfère ce chemin-ci à ce chemin-là, quelles que soient les raisons. Je ne vais pas refaire ma liste, pertinent, cohérent, etc. Et en fonction de ce qui me semble juste, équilibrer la situation pour qu'elle le soit réellement. Ici, on vous demande de canaliser cette transformation parce que vous allez recevoir beaucoup de choses de cette transformation. Beaucoup de choses, beaucoup, on va le formuler ainsi, beaucoup de bienfaits de cette transformation. On a le 4 d'épée, la reine d'épée et le chariot pour démarrer. C'est-à-dire que vous avez conscience que le moment est venu d'aller de l'avant, le moment est venu de décider du chemin que vous allez emprunter et de partir à l'assaut de vos rêves, de vos objectifs sur le long terme. Et les cartes, elles vous disent parfait. Elles vous disent transformation, reine de coupe, 6 de pentacle. Ça va réclamer de vous beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça va réclamer de vous beaucoup, beaucoup d'efforts, d'attention. Ici, le 6 de pentacle, c'est le même symbole d'infini qu'ici. Ça va vous demander, oui, énormément de ressources, énormément d'énergie. Mais vous recevrez au centuple, vous garantit le 6 de pentacle. Il va falloir donner à cette situation. Il va falloir, mobiliser vos ressources et littéralement nourrir quelque chose. C'est pour ça que c'est important que vous fassiez le bon choix, le choix juste, celui qui vous permet de nourrir le dragon, qui va vous mener à votre destination. Pas celui qui ne fera pas ce que vous lui demandez, en tout cas. Ici, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La roue, le chevalier d'épée et le 6 de bâton. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, la figure centrale est une figure du tarot. On a eu la reine d'épée, on a eu la reine de coupe, maintenant on a le chevalier d'épée. Il y aura des avant et des après dans cette situation. C'est réellement une transformation qui est à l'œuvre. Et ce sera une transformation de laquelle vous sortirez victorieux. Mais ici, ça me fait 16, ça me fait la tour. Il va y avoir une progression. Le roi d'épée, c'est une progression.
c'est une fois que vous mettrez en œuvre votre réflexion, vous obtiendrez des résultats. Mais c'est sans doute quelque chose qui va être assez brutal, qui va vous secouer beaucoup. C'est quelque chose qui va vous demander de donner beaucoup de vous-même. On avait l'as d'épée ici et l'as de bâton au dos. C'est réellement un nouveau départ dont il s'agit. Vous avez un nouveau projet. Assurez-vous que vos choix sont alignés sur le projet. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est réellement considérer les choix, les hiérarchiser, les équilibrer pour prendre la décision la plus juste et pour vraiment donner votre énergie là où elle va être utile, là où elle va vous amener une victoire. Ici, vous avez 19, vous avez le soleil. La quête est claire. Il s'agit de passer à autre chose. Il s'agit de connaître une transformation qui vous fait progresser, qui vous fait changer de place pour un endroit où vous serez plus en harmonie avec ce que vous vivez. Ici, c'est intéressant, justice, soleil, tour. C'est très intéressant parce que vous avez besoin de créer une coupure franche. Il faut vraiment que vous décidiez du dragon que vous allez nourrir. Le dragon est une figure mythologique qui est très intéressante. Alors c'est vrai que ces dernières années, c'est une figure mythologique qui fait beaucoup moins peur en Occident. Alors, on a tellement vu des dragons à la télé maintenant que... C'est quelque chose qui est, enfin, on est on... Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, à chaque fois que je parlais de dragon, on me répondait Saint-Georges. Il faut trancher la tête du dragon, les dragons sont dangereux, etc. Ces dernières années, je vois mon fils, il s'est régalé avec une série Eragon qui parle de dragonniers, hein, de gens qui élèvent des dragons. C'est le seul reproche que je fais souvent aux cartes, c'est qu'elles mêlent un peu trop... j'ai envie de dire culturellement des notions qui sont assez peu connues. En Feng Shui, en Asie, le dragon, c'est une force de vie essentielle. Quand on dit de quelqu'un qui nourrit son dragon, ça signifie qu'il s'efforce d'atteindre quelque chose de grandiose. Vous, ici, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de choisir ce que vous voulez enfourcher, ce que vous voulez réellement voir entrer dans votre vie pour y grandir, y croître et y prospérer. Il s'agit d'enclencher un cycle d'infini. Il s'agit d'être bien plus en harmonie avec la personne que vous êtes, ce que vous vivez, et donc ce que vous mettez en œuvre, ce que vous vous amenez dans ce monde. C'est un tirage qui est très très intéressant, j'attends beaucoup de la suite. Parce que je connais plusieurs Gémeaux qui font des changements, et je me dis, tiens, bon, ben, ils ont raison. Faites le choix le plus juste. Je crois que c'est vraiment le seul terme qu'il faut rechercher dans son choix. Cohérence, pertinence, intelligence. Juste, faire le choix le plus juste, ça me semble recouper toutes les autres notions. Parce qu'un choix qui est juste, c'est un choix qui est équilibré. C'est un choix qui est équitable. C'est un choix qui stabilise quelque chose dans le mouvement de la balance, qui ancre quelque chose comme étant évident et nécessaire et appelé à durer. Donc, considérez les choix qui vous sont offerts dans cette transformation et efforcez-vous de faire le choix le plus juste
quant à la situation que vous rencontrez et quant à l'évolution que vous attendez des choses. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes poisson ou ascendant poisson, l'extension va suivre puisque nous allons entrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner avec vous. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre, et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à l'ensemble des contenus exclusifs, les extensions, les horoscopes, la vidéo didactique dont j'ai parlé dans l'introduction. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Une petite chose, si vous n'avez pas le bouton rejoindre, c'est que vous utilisez une application qui n'a pas encore eu une mise à jour. YouTube traîne sur le sujet, mais si vous allez sur votre ordinateur, vous aurez accès au processus de souscription et vous pourrez ensuite regarder les vidéos sur votre appareil habituel. En fait, une fois l'abonnement lancé, vous avez accès aux vidéos exclusives, quel que soit le support de visionnage, et donc toute facilité pour regarder sur un autre appareil qu'un ordinateur. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la très courte, en l'occurrence, deuxième quinzaine de février. Merci encore. Au revoir.